suis dans les rocs. Je suis vraiment dans les rocs là. Bon, du coup, je vais à l'eau tout seul parce que, en fait, ça fait depuis hier qu'on se met des fly parce que c'est trop gros, on n'a pas les bords adaptés. Et surtout Léon, parce que moi, du coup, j'ai mis encore ma 6-2, mais lui, son step-up, il l'a pété au début du trip. Du coup, il a qu'une 5-9 sous litrée. Donc, compliqué. Là, c'est un peu débile d'y aller en 5-9. Déjà, en 6-2, c'est limite. Donc, je vais bien voir. J'y vais tout seul, c'est un peu chiant. Mais bon, trop la dalle de surf, c'est le dernier jour. Faut en profiter. Peut-être que la houle tombe et que cet après-midi, on pourra surfer avec moi. Mais bon, on va voir, on va essayer de pas faire le con, parce que comme je suis tout seul, c'est pas la même. C'est encore bien gros, normalement. C'est sur clean. Par contre, ça a l'air vraiment, vraiment grave. Donc bon, on va voir, on va essayer de choper des vagues. Pas de raison, en vrai. Les autres jours, j'avais réussi à en choper. Donc bon, let's go. Non, il va être vert, c'est grave. Pas du tout gros au final, c'est complètement tombé, c'est trop bizarre. Le spot capte moins, mais ce matin c'était bien gros, c'est bizarre. Mais bon, tant mieux. Oh, il était grave celui-là.
merde. La borne a l'air de rien avoir. Ah, je me suis flingué les pieds sur les rocs. C'est vraiment au milieu des rochers. Heureusement la borne a rien. Alors, en vrai je me suis gavé. La vague était grave. Allez, on y retourne hein. C'est passé mais il était énorme. Oh. J'allais si vite.